Débat houleux, apartheid de toute nature et désistement étaient à l'ordre du jour de l'élection du maire de Libreville entre le candidat PDG CLR, Rose Christiane Osuka, et le candidat indépendant Jean Eyigendon. Le mode d'élection, c'est celui que nous proposons. Vous ne pouvez pas le changer. Non, mais vous voyez, vous non, vous n'êtes pas une majorité, 102, vous êtes 42, CLR, 61, PDG. Si on parle politique, nous faisons une coalition, la coalition existe. Vous, ça, vous l'avez fait où? Dépité et après plusieurs heures d'attente, le candidat indépendant Jean Eyigendon finit par claquer la porte. Je suis candidat des populations de Libreville. Je suis candidat des populations de Libreville. Maintenant, les conditions qu'on met en œuvre pour passer à ces élections, ça... on va voir. Malgré le départ de la salle du scrutin de Jean Eyigendon et 48 autres personnes, l'élection s'est poursuivie avec sérénité. Il y avait une candidature unique présentée à la fois par le PDG et le CLR. Il s'agissait de la candidature de Mme Rose Christiane Osuka Raponda. Le vote donne ceci. Inscrit 151. Votant 103. Bulletin blanc ou nul, 0. Suffrage exprimé, 103. Est élue maire de la commune de Libreville, Madame Rose Christiane Osuka Raponda, avec un pourcentage de 100%. Satisfait, le maire et son premier adjoint se livrent. Les conseillers municipaux, à qui j'adresse au nom de la coalition PDG-CNR, ont su montrer avec force justement cette vision, cette volonté de mettre en œuvre la vision du président de la République. Et nous en sommes satisfaits pour le bienfait des Libreville-Lois. Le centre de décision de la commune de Libreville se trouve entre nos deux mains. Donc à partir de ce moment, ils doivent être satisfaits. Et moi, j'ai ce rôle important, imminent, c'est celui de gérer les jeunes. Et je suis heureux de constater que la mairesse qu'on met sur mon toit, c'est vraiment une jeune. Je vous dirai une chose, je rentrerai dans le bureau de la mairesse avec mes idées, mais je sortirai avec ses idées. Que nous soyons absolument en harmonie. La nouvelle équipe de la mairie de Libreville entend impulser une nouvelle dynamique à cette institution et améliorer les conditions de vie des Librevillois. Après 5 jours de formation pratique et théorique, cet atelier de formateurs axé sur le cancer du col de l'utérus et du sein a permis à ces gynécologues et oncologues d'apprendre de nouvelles techniques de détection de cancer féminin. Nous sommes très très satisfaits des résultats obtenus, donc les résultats attendus sont atteints et les objectifs également escomptés. Tout le monde a été très dynamique durant les sessions de formation, soit sur le plan théorique, il y avait une interactivité au sein du groupe. Mais également au niveau pratique, vraiment, ils ont essayé de manipuler l'appareillage, de travailler sur des patientes. Lors de cet atelier, les participants ont pu acquérir un maximum de connaissances et être édifiés sur la détection précoce des cancers féminins, tout en pratiquant des séances de dépistage gratuites sur de vraies patientes venues nombreuses. Je découvre quelque chose de nouveau. Un ensemble d'équipements qui vont permettre la détection précoce des cancers chez la femme et qui va permettre justement aux spécialistes de la médecine, donc les gynécologues, de pouvoir entreprendre très tôt, de façon précoce, le cancer. Parce que généralement, les gens s'emmènent à l'hôpital lorsqu'il est un peu tard. La remise des parchemins aux participants a permis de clore cette formation dans un climat de confiance. Le tournoi de la solidarité organisé par le FC Sapin a démarré samedi au stade de l'Amitié de Libreville. À l'ouverture du bal, l'Union sportive de Bitam a battu le CF Mounana sur la marque de 1-0. Une défaite salutaire selon l'entraîneur de l'équipe vaincue. Chaque équipe a eu sa mi-temps. Nous devons déjà faire la différence à la première mi-temps. Mais on n'a pas su concrétiser les occasions qu'on avait trouvées. Et en seconde mi-temps, je pense que c'était pour l'USB. Mais franchement parlant, il faut dire que nous sommes en train de parfaire l'équipe pour la Coupe de la CAF. Et pour nous, ça nous fait du bien qu'on perde ce match-là. Et ça va nous permettre de nous ressaisir, de voir là où il y a encore des brèches
afin de pouvoir colmater ces brèches pour que le jour J, on soit prêt. Dans le cas adverse, François Olympique félicite ses joueurs qui mettent fin à une série de défaites. Ouais, vous savez, quand on gagne toujours un match, les impressions sont bonnes. Au-delà de ça, je pense que les joueurs se sont beaucoup battus. Ils ont dépensé beaucoup d'énergie. Ils ont produit du jeu. On avait un adversaire assez intéressant, une équipe qui joue bien au ballon, qui est bien préparée. Donc c'était un très beau match à voir et la chance nous a souri aujourd'hui, tant mieux pour nous. Le tournoi de la solidarité se poursuit ce lundi au stade de l'amitié de Libreville avec à l'affiche le choc Sapé FC à Sfa Yenenga du Burkina Faso. Des ateliers de formation et de remise à niveau étaient au centre du lancement de la saison sportive 2013-2014 à la Fédération Gabonaise de Karaté et Discipline Affinitaire ce dimanche à la plage du lycée national Léomba. 2013, qui a été une année pleine pour nous, après avoir organisé un certain nombre de manifestations, nous avons donc jugé bon de donner un peu les vacances à tout le monde. Et naturellement, nous pensons que pour 2014, il faut relancer les activités puisque nous avons un calendrier d'activités qui est bien enchalandé. Cette reprise des activités à la FEGACAMA a également permis au président fédéral d'informer les dirigeants et athlètes sur la nécessité de travailler au regard des challenges à venir, parmi lesquels le championnat d'Afrique et du monde. Des informations qui sont dues essentiellement aux compétitions, compétitions au niveau national mais également au niveau international. Ici, plusieurs disciplines sont concernées par cette reprise des activités, à savoir le Kwenkido et le Karaté. Une reprise lente mais sûre. Ils se sont divisés en ateliers. Vous avez les débutants de la ceinture blanche à la ceinture orange. Vous avez les débutants de la ceinture verte à la ceinture marron et ensuite vous avez différentes catégories dans les ceintures noires. C'est en toute harmonie que l'ensemble des disciplines affiliées à la FEGACAMA ont repris du service.